Toulon est impressionnant. Son chef est une figure mythique de la fin des années 60, André Herrero. Et cette jeune équipe de Béziers, solide, qui n'avait peur de rien, va souffrir sous la pluie bordelaise. Mais à la fin de la première mi-temps, André Herrero, le chef, s'effondre, deux côtes cassées. Le public, les supporters de Toulon, Priestève, Astassin. C'est une accusation évidemment très grave. Je sors, puis je reviens, puisque j'ai quand même trois fractures de côte, et j'ai deux côtes fracturées à une ou deux endroits. Et je reviens, mais parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de changer main. J'essaye de rester avec mes joueurs pour prêcher quand même un exemple, pour continuer à motiver cette équipe qui le méritait très bien. Mais disons que je suis tout à fait, je joue les utilités, quoi. Je suis plus tout à fait plus jouable, quoi. Ouais.